Noé, il y a ton petit cousin. But! Wesh ma gueule, c'est comment là? Eh, ça joue à FIFA ou quoi? Ouais, tu joues toi aussi? Eh, je suis sûr t'es rincé, je suis sûr que je t'attrape, je te mets 20 buts matin, midi et soir. Pourquoi tu fais le mec direct? Qu'est-ce que t'en sais? Tu m'as vu jouer? C'est comme ça wesh, ça se voit, t'es nul frère. Regarde, t'es en train de perdre 1-0. Tu pues le caca frère. Eh vas-y, sors frère, casse-toi, va dans le salon, flemme de m'embrouiller avec toi, vieux mec, va. Eh toi, tu te prends trop pour un joueur pro, hein, espèce de chômeur, va, tu joues à FIFA là. Ce jeu de chômeur là. Eh arrête de prendre la confiance. Wesh, ça y est, t'es au collège, tout ça, tu crois que t'es. Eh vas-y, sors, frère. Flemme de m'embrouiller avec toi. Moi, je peux jouer, pas toi en attendant. Wesh, tu fais quoi? Rends la manette là, je vais m'énerver. Eh, si je me lève. Oh, mais wesh, ma manette. Est-ce que je vais te faire. Oh eh, tata! Qu'est-ce qui se passe ici? Bah je sais pas, d'un coup je suis rentré dans sa chambre et là il s'est énervé et il a pris sa manette et il l'a éclaté contre le sol comme un zinzin. Et il s'est énervé et tout et après il m'a dit sors. Oh je suis désolé mon chéri, je suis désolé. Vas-y viens avec moi, je vais te donner des bonbons. Mais maman il m'a cassé ma manette. Toi tu vas voir après, tu vas voir, tu vas voir. Vas-y wesh, toujours c'est moi. Je suis là wesh. Pascal c'est toi? Wesh, papa. Ça va? Tranquille, et toi? Moi, ça va. Wesh. De quoi, wesh? Wesh. Wesh, quoi? Et en plus, depuis quand tu dis wesh, toi? Wesh. Qu'est-ce que tu fais, là? Il t'arrive quoi? Bah, papa, j'ai craché, wesh. Bah oui, j'ai vu, mais pourquoi t'as fait ça? Bah, papa, wesh, je suis une racaille, moi. Ah, ok, t'es une racaille. Ouais. Je suis un wesh wesh, papa. Et pourquoi t'es une racaille? Bah wesh, papa, j'ai un Lacoste, j'ai des TN et j'ai même une sacoche. Ah ouais, mon fils, c'est une racaille. Oh. Bah ouais, je suis une racaille, wesh. Et vu que t'es une racaille, tu fais des bêtises, du coup? Bah ouais, hein, wesh, quand même. Hein. Je suis une racaille, je fais des bêtises. Et tu fais quoi comme bêtises? Ah bah wesh, par exemple, tout à l'heure, je suis rentré de l'école et je me suis pas lavé les mains, wesh. Ah oui, et quoi d'autre? Bah tu vois papa, quand la maîtresse elle a fait l'appel aujourd'hui, eh bah elle a dit mon nom, et au lieu de dire présent, je dis ici wesh. Ah ouais? Wesh. T'es pas trop une racaille hein? Ah. Hey, toi? C'est à quoi tes gâteaux là? C'est au chocolat. Ah, ça a l'air pas mal ça, vas-y fais voir vite fait. Mais j'ai faim, c'est parce que j'ai pas eu le temps de manger ce matin, du coup je me suis pris des gâteaux. Hé, hey, t'as dit passe les gâteaux, t'as pas compris ou quoi? Je peux vous en donner un chacun si vous voulez, mais pas tout le paquet. Laissez-le tranquille. Tu veux quoi, toi? Tu vas faire quoi? Je vais rien faire. Qui vous a dit que j'allais faire quelque chose? Bah, ferme ta bouche alors. Vas-y, passe les gâteaux, tu iras t'en acheter d'autres, c'est bon. Oh. Ne lui donne pas. Donne les gâteaux, on t'a dit, là. Je t'ai dit, lui donne pas tes gâteaux. Hé, toi, tu vas fermer ta bouche un peu ou c'est comment, là? Arrête de faire le malin, là, avec ta tête de carré rectangle. Wesh! Hé! Hey, vous voulez encore ces gâteaux? Ah, ma tête, wesh, t'es fou. Non, c'est bon. Ah, oh, wesh. Merci. De rien. Noé! Noé! Quoi? Tu vas garder la fille de ma copine Sarah, d'accord? Elle va te donner 10 euros de l'heure. Ok. Bonjour. Salut. Fais pas de bruit, s'il te plaît, je suis concentré, là. Waouh, je peux jouer, s'il te plaît? Non, tu peux pas, là, je suis en train de jouer, on peut pas jouer à deux. On dit jamais non à une princesse. Tiens, prends cette manette-là. Tiens, joue. Merci. J'appuie où? Regarde, t'es en train de faire bouger le joueur, là, regarde. Regarde, il est en train de bouger, tu vois? C'est toi qui es en train de le faire bouger, là. Ça fonctionne, là? Vas-y, regarde, appuie là, fais-le sauter. Tu vois, il saute. Vas-y, rappuie. Tu vois, il saute. Ah ouais? Vas-y, bah, appuie sur les boutons, appuie. Madame? Oui, qu'est-ce qui se passe, mon bonheur? Noé m'a dit de me mettre dans le coin là-bas et de plus bouger jusqu'à que ma mère, elle vienne. Hein, pas vrai? Noé!
Quoi? Non mais j'ai jamais dit ça moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte. C'est comme ça qu'on traite les invités. Mets-le un jeu, dépêche-toi, il sort. Dépêche-toi. Pourquoi? J'ai rien fait moi. Voilà, tu mets un jeu, elle a dit ta maman. Vas-y, viens, tu veux jouer à quoi? Ce jeu-là. Quoi? Mais il coûte 35 euros? Pas grave, je le veux. Mets-le. Mais vas-y. C'est bon, je l'ai acheté, tiens. Voilà, allez, tu sors maintenant. Ouais, je me fais virer de chez moi, ouais. Je me fais virer de ma chambre. On aura tout vu. Qui a fait ça? Oh oh. Qu'il se dénonce tout de suite. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Quand je vais trouver celui qui a fait ça, je vous assure que ça va très très mal se passer pour lui. Personne ne se dénonce? Si je n'ai pas de coupable, ce sera toute la classe qui sera punie. Oh mais non, mais on n'a rien fait. 3, 2, vas-y, dis que c'est toi. 1. C'est moi. Quoi? Pardon? Waouh. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Ne punissez pas toute la classe pour ma bêtise. Waouh. Merci, 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 merci. Punissez-moi et épargnez les autres. Bon, puisque tu as été honnête avec moi, pour cette fois, tu n'auras rien. Merci à vous d'être aussi clémente. Mais qui est ce charmant garçon? On reprend le cours. Ah, c'est pas possible le climat dans ce pays. Prince, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Vous pouvez me ramener une boîte de mouchoirs, s'il vous plaît? Tout de suite, prince. Je suis de retour avec votre boîte de mouchoirs, prince. Tenez. Merci bien. Vous m'avez l'air assez mal en point, prince. On dirait que vous avez attrapé froid. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Ouais, si vous pouviez ramasser tous les mouchoirs par terre, s'il vous plaît. D'accord. Et je les jette ou... Bah oui, jetez-les. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des mouchoirs? D'accord, je vais jeter vos mouchoirs. Je reviens, je vais vous chercher d'autres boîtes de mouchoirs. Vous mouchez-vous beaucoup, d'accord? Il faut beaucoup se moucher. Merci beaucoup pour votre travail, je vous ferai une augmentation de salaire. Tenez, j'ai une autre boîte de mouchoirs. Videz-la, hein, videz-la complètement et je vous en ramènerai une autre quand elle sera vide, d'accord? Appelez-moi, tenez. Et je jetterai vos mouchoirs, bien évidemment. Tenez, prince. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Papa, c'est moi, j'ai ramené une fille avec moi. Impossible. C'est ta chambre? Il a vraiment ramené une fille? Comme ça, c'est bien. Oui, continue, ça fait du bien. Ils font quoi? Vous faites quoi? Ah bah, je lui fais un massage, papa. C'est qui, elle? Ah bah, c'est une fille qui est dans ma classe. Elle s'appelle Claudette. Petit coquin. Merci, papa. Occupe-toi bien d'elle, un vrai gentleman. D'accord. J'entends plus aucun bruit. Vous faites quoi? Bah là, je lui fais ses devoirs, papa, parce qu'elle a la flemme et je suis un gentleman. Ok, ok. Mets-toi à genoux. Et vous faites quoi maintenant? Eh bah, elle a mal aux jambes, alors je lui ai dit de les mettre sur mon dos. Je pensais qu'il allait l'embrasser, moi. T'es fier de moi, papa? T'as vu comment je m'occupe bien d'elle? Je suis un vrai gentleman. Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Tu veux mettre tes jambes dans mon dos, toi aussi, papa? T'es vraiment bête, toi, hein? Oh! Papa? Ouais, fiston? Eh ben, en fait, à l'école, aujourd'hui, il s'est passé un truc. Ah bon? Il s'est passé quoi, dis-moi? J'étais dans la cour de récréation avec tous mes copains, et là, j'étais en train de parler, et j'y parlais de Fortnite. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai dit j'étais fort, et il y a un garçon, là, il s'appelle Kevin, et il a dit non, je suis plus fort que toi. Pourquoi il a dit ça, lui? C'est un malade, ce Kevin. Et toi, t'as fait quoi après? Et bah après, bah moi, j'ai dit non, c'est moi le plus fort. C'est bien, t'as eu raison de dire ça. Et là, après, il est venu en face de moi et il m'a mis une grosse claque. Il t'a mis une claque? Et toi, t'as fait quoi après? Et bah du coup... Du coup quoi? T'as fait quoi après? Et bah après, je suis venu en face de lui et je lui mets une petite claque dans la tête, une petite. Pourquoi tu lui as mis une petite? Si lui, t'as mis une grande, faut lui mettre une grande.
Bah parce que j'avais pas envie de lui faire mal quand même. Lui il te fait mal et toi tu veux pas lui faire... Bref, et après il y a eu quoi? Et bah après... Et après vous vous êtes battu? Oui. C'est bien, c'est toi qui as gagné, tu l'as défoncé. Bah non papa, il m'a défoncé devant tout le monde. Ouais, il m'a vraiment défoncé. Je dirais même plus, il m'a cassé la gueule. Oh la honte. Bah ouais, hein. Je pensais la même chose. C'est la honte pour lui. Il le mal élevé, il se bat à l'école. C'est la honte pour toi, pas pour lui? Moi? Avec ta tête là, je sais pas tu tiens ça de qui mais... Merci papa.